Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle carrière pro. On jouera avec le club suisse du FC Bâle. Et donc voilà notre pro à 20 ans. Il a 67 de général et c'est un milieu offensif. Il a pour l'instant une valeur de 950 000 euros et ses stats sont plutôt bonnes pour son jeune âge. Nos objectifs de la saison sont de maintenir une note moyenne au-dessus de 6,7, de marquer ou participer au moins à la création de 10 buts, d'avoir un taux de passe réussi de plus de 72% et de créer 30 occasions. Le championnat suisse est un championnat à 10 équipes, on n'aura donc que 18 matchs pour remplir nos objectifs de la saison. Un très court rapport d'équipe avec les deux pépites du club, Brill Donald Mbolo, 18 ans et 76 de général, et sinon Jean-Paul Boteus, 21 ans, 75 de général. On commence tout de suite le championnat avec un match contre Vaduz à domicile, match que nos coéquipiers vont remporter sans nous, par le score de 3 buts à 0, doublé de Boteus. Le coach ne nous a pas sélectionnés pour la rencontre. Prochain match contre le FC Zurich à l'extérieur cette fois-ci. Malheureusement, le match commence très mal pour nous avec Boteus qui avait marqué un doublé au match précédent qui se prend un carton rouge dès la 3ème minute et on perd donc la rencontre. Prochain match à domicile où on n'est toujours pas sélectionné contre le Grasshopper Zurich. Match que cette fois-ci nos coéquipiers vont remporter 3 buts à 1. On jouera ensuite contre les Young Boys à l'extérieur. On enchaîne les rencontres. Nous ne réussissons toujours pas à nous faire une place de titulaire. L'équipe gagnera 3 buts à 1. Et enfin contre Sion. Le coach nous sélectionne. On va donc débuter la rencontre au poste de milieu offensif gauche. On peut voir qu'on attaque Mbolo est titulaire et l'équipe est en plutôt bonne forme et il faudra prendre les 3 points. C'est parti. On peut voir qu'au classement on est premier à égalité de points avec les Young Boys qui eux aussi ont perdu un seul match sur leurs 4 premières rencontres. Le match commence très bien pour nous dès la 9ème minute. Regardez cette passe dans la surface et on frappe au point de pénalty. On ouvre le score et on marque notre premier but dès la 11ème minute. On revoit ici la passe et la frappe puissante sur laquelle le gardien ne peut rien faire. 1-0 pour le FC Bâle contre Sion. À la demi-heure de jeu, un corner pour notre équipe. Cafouillage dans la défense, c'est mal relancé. Et regardez cette frappe magnifique en barre rentrante. On a beaucoup de chance. Et nos deux premiers tirs nous ont permis de marquer un doublé pour notre premier match en pro. Une reprise de volée splendide qui rentre avec l'aide des montants. Revoici ce tir puissant qui vient battre le gardien pour la deuxième fois du match. Avant la mi-temps, on a une nouvelle occasion avec ce tir. Et regardez la belle parade du gardien cette fois-ci. Ensuite, au retour des vestiaires, une occasion pour Sion avec ce tir. Mais c'est cette fois-ci notre gardien qui la détourne en corner. Un bel arrêt. À un quart d'heure de la fin du match, une nouvelle occasion pour Sion avec ce tir qui passe au-dessus. À la 83ème minute, notre joueur a la balle. Il entre dans la surface de réparation, dribble des défenseurs. Et on obtient même un pénalty. Et Sopar, qui tire le pénalty, le transforme. Le match s'achève donc sur ce score lourd de 3 buts à 0. On a effectué notre premier match en pro. Et quel match, un doublé. Et on a provoqué le pénalty pour le but du 3-0. On a pourtant une note seulement de 7,1. Sur nos buts, nous n'avons pas vraiment créé l'occasion, mais nous avons joué plutôt un rôle de finisseur. Mais on a tout de même marqué un très beau deuxième but avec une frappe lourde qui rentre en transversale rentrante. On s'impose donc 3-0 pour notre premier match. Pourtant, le match était serré. 3 tirs pour Sion et 6 pour nous. Mais si on n'a pas réussi à cadrer la moindre frappe du match. Prochain match contre Lucerne à l'extérieur, on n'est pas sélectionné car on n'a pas eu le temps de se reposer après notre grosse performance du match précédent. Victoire 2 buts à 0 de notre équipe. Prochain match à domicile contre Lugano. Une nouvelle fois, le coach ne fait pas appel à nos services. Victoire 2 buts à 1 de l'équipe. On joue en Europa League le premier match de phase de poule contre le Standard de Liège à l'extérieur. Une rencontre qui s'achèvera sur le score de 2 buts à 0. On commence très bien cette campagne européenne. Retour au championnat avec un match contre Saint-Gall. Notre équipe s'impose une nouvelle fois 2 buts à 1. Et prochain match contre Thun où on est sélectionné. Une nouvelle fois on jouera au poste de milieu offensif gauche. C'est parti pour ce match à domicile. I remember.
one more singing. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards just for a minute, I hold on to you before the memory's gone. I remember you, you lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you, you make me stronger. Fin du match, on signe une nouvelle fois une excellente performance, un doublé encore une fois, et on termine donc avec une excellente note de 9,6, on est nommé homme du match. Victoire 3-0 contre Thun, qui n'a pas existé, 15 tirs 10 cadrés pour nous, ils n'ont tiré qu'une fois, et ce n'était pas cadré. Prochain match contre Zurich, on avait perdu au match aller 1-0, mais on va se rattraper au match retour. Une lourde victoire, 4 buts à 1, doublé de Mbolo, le jeune attaquant suisse. Un nouveau match d'Europa League contre Rosenborg à domicile. Et on va encore une fois s'imposer, 3 buts à 1. Et dernier match de la vidéo contre Vaduz à l'extérieur. Cette fois-ci, on jouera au poste de milieu offensif, alors qu'on avait été milieu offensif gauche dans les deux matchs précédents. L'équipe est en excellente forme, c'est parti pour le match. On voit un beaucoup franc qu'on réussit à rentrer dans l'entraînement d'avant-match et un tir un peu moins chanceux qui arrive sur la barre transversale. C'est parti pour ce dernier match de la vidéo à l'extérieur contre le FC Vaduz. Et on voit qu'au classement on est toujours premier à égalité de points avec le BSC Young Boys. Le match commence bien pour nous avec dès la 3ème minute notre équipe dans la surface de réparation adverse. La tête de Mbolo rentre et on ouvre le score dès la 5ème minute. 7ème but toute compétition confondue pour le jeune attaquant. À la 20ème minute de jeu, on obtient la balle. On tente une frappe détournée de la main par un défenseur. L'arbitre désigne donc logiquement le point de pénalty. Et c'est Mbolo qui se présente face au gardien. Il tente une panenka qui est repoussée par le goal en corner. Et sur le corner, une nouvelle magnifique parade du gardien qui se surpasse. On mène donc toujours 1-0 dans cette rencontre. À la 26ème minute, on reçoit la balle et on tente un tir repoussé facilement par le goal. On réussit une belle récupération juste avant la mi-temps. Et on permet à notre équipe de mener 2-0. But de Zoufi à la 45ème. Une frappe puissante en lucarne, le gardien ne peut rien faire. Au retour des vestiaires, on a la balle, on la donne à Mbolo. Il réussit une très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, mais malheureusement il tire sur la barre transversale. Deuxième barre transversale pour Mbolo dans ce match. Il a une nouvelle fois la balle et nous donne une passe magnifique. On élimine des joueurs et on la lui remet. Le caviar est parfait, on signe notre première passe décisive de la saison. Pour le 8ème but, toute compétition confondue de Mbolo. Un plat du pied qui trompe le gardien facilement après qu'on ait effectué un beau relais. On revoit ici le jeu à 3. Mbolo qui nous donne une bonne balle en profondeur. On élimine les défenseurs et on remet la balle à Mbolo au point de pénalty. Il n'a plus qu'à finir du plat du pied. Et on mène donc 3-0. À 10 minutes de la fin du match, on fait une très bonne passe qui perce la défense. Et ensuite, ce sont nos coéquipiers qui font le reste de l'action. Un très beau tir qui nous fait donc mener 4-0. À la 85ème minute, une erreur de notre gardien et une tête dangereuse devant le but. Heureusement, ce n'est pas cadré. Fin du match. On signe une nouvelle bonne prestation, 6,7 de notes. On a tiré deux fois et nos deux tirs étaient cadrés. On a effectué deux passes clés et une passe décisive pour Mbolo en fin de match. Grosse victoire, 4-0 de l'équipe, 8 tirs, 5 cadrés pour nous. On s'impose donc et on prend les 3 points. Après 11 journées, on est toujours leader à égalité de points avec les Young Boys à 30 points. Nous n'avons perdu qu'une seule fois et 10 victoires. On est suivi de loin par Sion à 9 points, on a donc déjà creusé l'écart. Notre équipe tourne à plein régime avec 29 buts marqués et seulement 6 encaissés, cela nous fait une différence de 23 buts. L'équipe a aussi remporté les deux premiers matchs de groupe d'Europa League en s'imposant contre Rosenborg et le Standard de Liège. On se place donc déjà bien pour une qualification et on a évité le faux pas. Et pour revenir à notre joueur, nos débuts sont excellents, 3 matchs on l'a déjà marqué 4 fois et fait une passe décisive. Après, il faut tout de même relativiser et voir le niveau faible du championnat suisse où le FC Bâle survole totalement le classement et les matchs. Après nos 3 matchs joués, notre pro a déjà pris un plus 1 et il a une note moyenne de 7,8. Notre coéquipier Mbolo est aussi très bon, 13 matchs, 8 buts, 2 passes décisives et une note moyenne de 7,6. Poteus a joué 8 fois et a marqué 6 buts pour 3 passes décisives. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Salut!